Les Arméniens, au début du XXe siècle, sont situés à cheval sur trois empires. C'est une région de confrontation d'empires, empire russe, empire ottoman, empire perse. Et la majeure partie des Arméniens réside dans l'empire ottoman. C'est environ 2 millions d'Arméniens et Arméniennes avant le génocide. C'est une présence qui est à la fois ancienne, très ancrée territorialement, et en même temps très dispersée. Et puis également une présence qui est toujours en cohabitation, en coexistence directe avec d'autres populations qui parlent d'autres langues, soit des populations turques, kurdes, lazes, grecques, assyriennes. Donc coexistence linguistique, religieuse, c'est tout à fait caractéristique de la mosaïque que représente l'Empire ottoman à cette époque-là. Alors les relations entre musulmans et non-musulmans, pour parler de manière large, dans l'Empire ottoman, sont structurées autour de certains principes politiques qui veulent que c'est la majorité musulmane qui exerce le pouvoir militaire et le pouvoir politique. Et il y a une situation de subordination des non-musulmans par rapport aux musulmans. Dans tous les génocides, il y a des phases préalables où on observe des massacres, des pogroms quelque part, habituent l'opinion publique locale du groupe dominant à des violences contre ce groupe, pour dire tout simplement qu'on a affaire à un ennemi intérieur, des traîtres. Les Arméniens sont victimes, à cette époque-là, de plusieurs séries d'atrocités, on va dire, pour reprendre le terme de l'époque. Et notamment, dans les années 1890, elles atteignent une échelle inédite, avec des massacres de grande ampleur qui ont lieu dans pratiquement toutes les régions de l'Anatolie. Ces massacres se déroulent au vu et au su de tout le monde. Et ils frappent les opinions publiques occidentales par leur ampleur, par leur férocité. On sait très bien que les Arméniens dans l'est de l'Anatolie sont sujets à des brimades, sont sujets à des violences, sont sujets à des viols, des raptes et parfois des massacres. Donc il y a un mouvement déjà philanthropique, on dirait aujourd'hui humanitaire, très puissant, qui se forme autour de la question arménienne dans les années 1890, à la fois en Europe, et puis aussi beaucoup aux États-Unis. En termes démographiques, ça a eu un impact considérable, parce qu'il n'y a pas que les morts. Il y a un courant migratoire qui a été le prolongement, par exemple, vers les États-Unis. À la veille de la guerre, on a 120 000 Arméniens de ces provinces qui sont déjà établis aux États-Unis. Et ils partent, en fait, principalement après les massacres de 1894-1896. Ça, on peut dire que c'est une première alerte sous le sultan Abdul Hamid. On parle de massacres hamidiens. Il y a ce temps fort des années 1895, mais il y a également une redite en 1909 avec ce qu'on appelle les massacres d'Adana, qui sont en quelques semaines l'assassinat de 20 à 30 000 personnes arméniennes en Cilicie, avec le laisser-faire, voire la complicité du gouvernement, qui à cette époque-là n'est plus le sultan, mais le gouvernement des révolutionnaires, dit les jeunes turcs, c'est-à-dire du comité Union et Progrès, qui a pris le pouvoir à Constantinople.
L'écho que reçoivent ces massacres en Europe est tout à fait comparable à celui donc reçu par les massacres perpétrés sous le sultan Abdülhamid. Le projet Jeune Turc vise à créer un État-nation turc. Ce seul objectif donne déjà des éléments qui indiquent un projet d'exclusion des groupes qui ne peuvent pas entrer dans cette logique. Les nouveaux dirigeants qui vont s'accaparer le pouvoir en janvier 1913, en confisquant le pouvoir à leur profit, donc c'est la frange la plus radicale de ce qu'on appelait le Comité Union et Progrès, qui est un parti donc dirigé par des ultranationalistes, on dirait aujourd'hui, ces dirigeants voient dans l'existence d'une forte population arménienne et aussi d'une forte population grecque des menaces existentielles pour l'avenir de l'Empire. L'Empire risque de se désagréger en raison de l'existence de ces populations qui sont non seulement inassimilables à la turcité parce qu'elles sont chrétiennes, mais en plus qui représentent un danger parce qu'elles sont nombreuses. Les Arméniens sont un peu plus de 2 millions, les Grecs sans doute autour de 3 millions, les Assyro-Chaldéens moins nombreux, mais eux aussi vont faire les frais de la politique de nettoyage du comité Union et Progrès au moment du génocide arménien. L'Empire ottoman est en guerre. Et ce n'est pas une guerre simplement qui affecte l'Empire ottoman. Bien sûr, c'est la Première Guerre mondiale, c'est la Grande Guerre. Toute l'Europe est en guerre. Donc, d'une certaine manière, ça donne les mains libres au gouvernement ottoman, dirigé par ces ultranationalistes du Comité Union et Progrès, pour résoudre une question qui embarrasse l'Empire depuis plusieurs décennies maintenant, la question arménienne. On considère généralement que le 24 avril 1915 marque le début du génocide. Parce que le 24 avril 1915 est arrêtée une grande partie de l'intelligentsia arménienne, surtout à Constantinople. On peut considérer que c'est la décapitation de ce qu'on appelait dans le cadre ottoman le millet arménien, c'est-à-dire la nation, la communauté ethno-religieuse arménienne. Entre le mois de mai et le mois de juillet, en 3 mois, il y a environ 1 050 000 personnes qui ont été déportées en 306 convois. Ça, on est arrivé à ce niveau de précision. Ça montre un niveau de planification et d'organisation assez impressionnant. Après une liquidation des hommes adultes encore présents dans leur habitat naturel, et après le nettoyage complet de ces régions et l'envoi de ces convois qui convergent tous vers les déserts de Syrie et de Mésopotamie. Entre 60 et 80% meurent en cours de route. C'est les marches de la mort. Ça ne passe pas inaperçu, si bien que dès le 24 mai 1915, les gouvernements de l'Entente, c'est-à-dire du camp opposé dans la guerre à l'Empire ottoman, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, les pays de l'Entente, c'est la Russie, le Royaume-Uni et la France, font paraître dans la presse, dans les 3 langues, en français, en anglais et en russe, un communiqué commun. Et ce communiqué, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit que depuis plusieurs mois, il y a des massacres qui sont commis dans l'Est ottoman. Il cite les villes les unes après les autres. Il y a des déportations. Il cite Zeytoun. Il y a l'arrestation des notables arméniens d'Istanbul le 24 avril dernier. Donc tous ces éléments sont cités et le communiqué affirme que devant ces crimes contre l'humanité, il dit précisément devant ces nouveaux crimes contre l'humanité, les gouvernements de l'Entente affirment qu'ils tiendront pénalement responsables tous les fonctionnaires ottomans à l'issue donc des hostilités.
pénalement responsable des crimes contre l'humanité et la civilisation. C'est le terme qui est utilisé. En dehors des pays alliés de la Turquie, que sont l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, hein, c'est un triumvirat, il y a des pays neutres qui conservent sur place des témoins, en quelque sorte, et notamment des Américains. Or, les Américains, on a, on va dire, deux catégories, des diplomates, et puis un courant missionnaire évangélique extrêmement bien organisé. Une partie de la documentation dont on dispose, elle repose en fait sur les témoignages de ces diplomates ou de ces missionnaires, qu'on a conservés bien entendu, et qui ont irrigué les médias non seulement américains, mais anglo-saxons et également français, bien sûr, très très tôt. Donc, on est informé. Aucun être humain ne peut imaginer une telle horreur. Ces pauvres gens n'avaient plus rien d'humain. Des femmes à moitié nues gisaient là, et l'on ne pouvait dire si elles étaient vivantes ou mortes. Même des animaux ne pouvaient subir de telles conditions. On aurait pu avoir pitié de ces Arméniens et les tuer. Mais ils étaient chrétiens, honnis, entre les mains de leurs ennemis qui avaient l'intention de les faire souffrir le plus possible. Pauvres, pauvres Arméniens, tout ce que vous avez eu à endurer. La presse américaine s'est emparée évidemment du dossier. Et il y a quelques années, il y a des collègues qui ont publié tous les articles parus, et c'est énorme. Nous avons commencé avec New York Times, après Boston Globe, Chicago Tribune, Washington Post, Los Angeles et The Christian Science Monitor, les journaux les plus célèbres de l'époque. En lisant tous ces journaux, on voit que déjà à l'époque, ils savaient tout ce que se passait en Turquie. Si vous voyez les titres des articles, vous trouvez des mots terribles. Ils donnent le nombre des gens massacrés. Il y a aussi le témoignage des missionnaires qu'ils ont travaillé et ils décrivaient l'expérience qu'ils ont eue en Turquie. Il y a par exemple le témoignage de certains qu'ils recevaient des lettres de leurs parents. Et ils racontaient, par exemple, les massacres qu'ils ont vus. Ils donnent les noms de qui était massacré, qui était tué, où il était pris par prisonnier, où il était exilé. Ils savaient très bien, jour par jour, ce qu'il se passait. Les familles les plus en vue étaient les premières à souffrir. Elles achetaient des chariots pour emmener leurs biens. Mais 4 jours après leur départ, tous ces chariots furent ramenés en ville. Tous les 10 000 Arméniens de la ville furent exterminés. Des officiers allemands stationnés dans la ville, et le consul allemand approuva ces actes ouvertement. Parmi le butin des Turcs se trouvaient plusieurs jeunes filles arméniennes, et une part de ce vivant butin fut donnée aux Allemands. Il y a également des journalistes qui produisent des livres au moment même où sont en train de se dérouler des crimes. Je pense par exemple au journaliste Henri Barbie, qui est connu en France, qui publie un livre sur les massacres d'Arménie en cours en 1915. Henri Barbie circule dans ces régions de l'est de l'Anatolie qui sont occupées par les Russes à ce moment-là de la guerre. Et donc, il a accès à des témoignages de survivants. Voilà, ça fait partie des très nombreuses publications qui sont publiées en Europe et aux États-Unis entre les années 1915-16, c'est vraiment immédiatement, et le début des années 20. D'ici, je veux commencer le récit des horreurs et des crimes dont l'Arménie a été le théâtre au cours de la guerre actuelle. Le 18 avril 1915, tous les musulmans sont réunis hors de la ville. Les Hodjas surchauffent le fanatisme.
affirmant que le croissant ne connaîtra pas la victoire tant qu'un seul Arménien existera encore. Ilmi Pacha, membre fameux du comité Union et Progrès, se fait remarquer par sa violence. Les Turcs ont leur plan. L'accord turco-allemand au début de la Première Guerre mondiale a engendré une dynamique énorme et a fait précipiter des choses fatales, y compris le génocide des Arméniens. Il était clair entre Berlin et Istanbul qu'il n'y aurait pas d'ingérence dans la politique intérieure de l'Empire ottoman. Et quand même, il y a eu un ajout disant que l'Allemagne accepterait d'établir un lien entre les Turcs d'Anatolie et ceux du Caucase. Ça semble être quelque chose de petit, mais en fait, ça voulait dire qu'on acceptait quelque chose comme un projet pan-turc. Il y a le réseau consulaire allemand et autrichien qui reste en place. Il y a aussi, jusqu'en 1915, le réseau des diplomates italiens. L'Italie n'est pas encore entrée en guerre. Il y a également les diplomates états-uniens, très importants, qui vont rester dans l'Empire ottoman en poste quasiment jusqu'à la fin de la guerre. Et les rapports consulaires sur les crimes commis sont nombreux. C'était une véritable extermination, un massacre des innocents. C'est une page noire marquée par la violation flagrante des droits les plus sacrés de l'humanité, de la chrétienté et des nationalités. La ville était en état de siège, gardée par 15 000 soldats en équipement de guerre. Les tueries à coups de fusil, le défilé des convois d'Arméniens déportés sous mes fenêtres et ces appels au secours auxquels ni moi ni personne ne pouvait répondre. Il y avait des centaines de cadavres trouvés chaque jour le long de la route d'exil. Les jeunes femmes étaient converties de force à l'islamisme. Les enfants arrachés à leur famille et remis aux familles musulmanes, ou bien embarqués par centaines sur des barques, puis chavirés et noyés dans la mer Noire. Tels sont mes derniers et ineffaçables souvenirs qui encore, après un mois, me rendent presque fou. Les archives secrètes du Vatican, concernant en tout cas cette période et l'Arménie, ont été ouvertes il y a une vingtaine d'années et on y trouve les rapports et toute la correspondance du délégué apostolique donc à Constantinople, Angelo Maria Dolci. Dolci se démène quotidiennement pour essayer de sauver des déportés dont il ne sait pas toujours où ils se trouvent. Alors là, on a évidemment quelques exemples de ces rapports qui sont presque tous rédigés d'ailleurs en français. Il faut le souligner, c'est la langue diplomatique de l'époque. Alors il implore le 12 juillet 1917, « Je fais appel à la bienveillance, excellence, que vous avez toujours bien voulu me témoigner. Graciez les 60 Arméniens condamnés à mort par la cour martiale d'Alep pour faire plaisir à sa sainteté le pape. » Alors, il adresse ça, en fait, au ministre de la guerre, Enver Pacha. « Je ne manquerai pas de faire relever à sa sainteté la justice de la sentence dont ils furent frappés, car je suis au courant de cette affaire. Cela montrera encore une fois la déférence de votre excellence pour sa sainteté le pape. » Il est délégué apostolique, mais c'est également un diplomate du Vatican. Et je dirais que c'est le vocabulaire, les formules d'usage à l'époque pour essayer de flatter le ministre de la guerre et lui arracher quelques petites concessions. Malheureusement, la plupart de ces démarches n'ont eu aucun effet sur le terrain. En dépit de la conscience en Europe occidentale et aux États-Unis de ce qui se passe à ce moment-là dans l'Empire ottoman, on ne peut pas dire qu'il y a
une prise de conscience suivie des faits. Puisque, dans les faits, jamais les armées alliées ne sont en mesure d'empêcher quelques massacres ou déportations que ce soit. Il faut quand même rappeler ce que la France vit aussi sur le front, à Verdun et ailleurs. Donc, ça passe pas inaperçu, mais c'est un des éléments de la Grande Guerre qui touche l'opinion française. Les Allemands étaient totalement focalisés sur la conduite de la guerre. C'est tout ce qui les intéressait et ne voulaient pas du tout gêner ces alliés jeunes turcs en leur posant des questions par rapport aux Arméniens. Il y avait déjà des éléments très concrets qui s'étaient réalisés. Les Allemands savaient. Le paramètre religieux, l'islam en l'occurrence, est évidemment amplement exploité par les jeunes Turcs, parce qu'ils savent très bien que leur population a un substrat culturel qui repose largement sur l'islam et ses pratiques. Donc, ils vont l'exploiter, mais eux-mêmes sont de parfaits nationalistes. C'est ce qu'on appelle un génocide de voisinage, c'est-à-dire avec une participation directe, massive, des populations locales. Et pour des raisons rarement idéologiques, mais souvent très pragmatiques, et récupérer les biens du voisin, récupérer sa jeune épouse, récupérer les enfants, piller les maisons, l'effet d'aubaine aussi. N'oubliez pas que dans les génocides, l'État, qu'est-ce qu'il fait l'État ? Eh bien, il lâche les rênes. En gros, il n'y a plus aucune norme juridique. Ce sont des ennemis, donc on a tous les droits à leur égard. On est dans ce cadre. Donc, une forte proportion de la société turque a directement participé aux violences. Le plus affreux à voir, c'était la façon dont on forçait les éclopés et les malades à se lever pour reprendre la route. On les faisait avancer à coups de bâton. Les plus jolies parmi les jeunes filles furent enfermées dans des maisons qui servaient au plaisir des membres de cette clique qui semble tout gouverner ici. Les maisons arméniennes sont démeublées les unes après les autres. Une foule de femmes et d'enfants turcs suivent pas à pas les employés de police, comme une bande de vautours, pour s'emparer de tout ce qu'ils peuvent saisir. Je vois ces faits tous les jours de mes propres yeux. La population ottomane s'est étonnée du fait que les Allemands n'ont pas aidé les chrétiens. Il y a eu on a beaucoup de témoignages là-dessus, ou les Kurdes aussi. Alors, est-ce que ce n'est pas des chrétiens ? Pourquoi ils n'aident pas du tout ? Même ils ont un regard totalement froid vis-à-vis de ces pauvres victimes. Il ne faut pas oublier que les Allemands ne sont pas allés avec la Bible dans la guerre, les soldats. C'est Nietzsche, Zarathustra qui sont portés avec eux. Et c'était une génération qui croyait que, voilà, on était dans une ère post-chrétienne, en quelque sorte le permis d'agir totalement indépendamment de ceux qu'on aurait attendu. Talat, donc, ce Talat, il faut bien le souligner, ce personnage, au centre du génocide des Arméniens, il disait à un journaliste allemand, « Mais nous ne savons pas si un de ces enfants arméniens, un jour, se tournera vers nous. Alors, il faut bien éliminer aussi les enfants arméniens. » Voilà. Alors, pourquoi les Allemands n'ont pas réagi ? C'est une très grande question et moi, en tant qu'historien, je vois
cette faillite morale des Allemands comme le début de leur descente dans l'enfer politico-éthique qui sera couronné par le nazisme. Il y a eu pas mal de travaux ces derniers temps sur l'impact du génocide arménien en Allemagne. Et en fait, on observe que pas mal de cadres qui étaient dans l'armée allemande, il y avait 17 000 hommes, beaucoup d'officiers. Donc, ces cadres militaires allemands se sont retrouvés pour une bonne part, après coup, dans les cadres du parti nazi et après de la Wehrmacht. Voilà. Par exemple, c'est le cas du directeur du camp d'Auschwitz qui a fait ses armes sur le front ottoman. Vous voyez ? Donc lui, il savait ce que ça signifiait, les violences de masse de cette nature. Il avait très tôt compris. Le fait que le génocide se déroule dans un contexte de guerre est un élément capital. Car bien évidemment, cela contraint et même empêche la plupart des tentatives, des velléités d'intervention en faveur des Arméniens, intervention extérieure. Donc il est bien compréhensible que dans ce contexte, les Britanniques, les Français ou les Russes n'aient pas pu faire grand-chose. Mais les Allemands eux-mêmes, ils co-dirigent l'état-major de l'armée ottomane et ils prennent la décision de ne pas intervenir. Le seul état qui aurait pu stopper la main du bourreau, c'est l'Allemagne, c'est évident. Parce que c'est l'Allemagne qui soutenait l'effort de guerre turc, qui le finançait. Il y avait des wagons entiers d'or qui arrivaient pour soutenir l'effort de guerre turc, sans parler évidemment d'armement moderne, etc. Du point de vue général, on peut dire que les Allemands, et surtout aussi les officiers militaires allemands, n'ont pas participé à l'extermination proprement dite. Alors, ils ont soutenu, parfois même élaboré des plans de dislocation de population. Alors là, ils trouvaient ça militairement totalement logique, il fallait faire ça, mais sans penser à une extermination. L'action exterminatrice, elle n'était pas allemande, mais tout le reste est assez grave pour dire que, oui, il y a de la co-responsabilité. La question des savoirs sur le génocide ne concerne bien sûr pas que les opinions publiques occidentales. Dès l'armistice qui est signé à la fin octobre 1918 et qui consacre la défaite de l'Empire ottoman face aux Alliés, les interventions à Constantinople, que ce soit dans la presse ou au Parlement ottoman, je parle de la presse ottomane, montrent très clairement que la conscience des crimes qui ont été commis contre les Arméniens, crimes d'une cruauté inouïe, est très très largement répandue. Et d'ailleurs, si les négationnistes du XXIe siècle se penchaient sur ce qui s'écrivait à Istanbul à cette époque-là, peut-être qu'ils réviseraient une partie de leur argumentaire. Dans les génocides, en règle générale, le déni est constitutif de l'acte de génocide. On tue et en même temps, on nie. C'est présenté comme un acte de guerre, une punition, etc. Bon, OK. Ils sont, dans le déni. Après, le reste, ce n'est qu'une politique d'accompagnement, c'est-à-dire l'élimination progressive de toute trace de patrimoine architectural, les grands monastères. On nettoie. On élimine toute trace partout où on le peut et on est dans la même logique qui a commencé il y a peu de temps en Artsakh, où on dénature une église, où on la transforme en mosquée. Enfin, c'est des pratiques traditionnelles, une manière d'achever les victimes et de les humilier.